Morandini là, merde. Leaderfrice là, bordel. Ah, Jean-Pierre Coq, bien sûr. Voilà. Je fais caca dans des raviolis, ça vous va? Oui, alors vous avez vu que j'ai des nouveaux copains. J'ai un Pix niveau 54. Du coup, c'est bien, parce que du coup, je pense qu'il peut bien. Ah ouais, ça fait quoi, tunnel? Vous pouvez pas utiliser la petite. Ah ouais. Voilà. Gricknote. Parce que je sais pas si on prend Gricknote ou si on prend. Ou si on prend Manchot en vrai. Parce que là, Gricknote, on est juste à le monter de deux niveaux et il est Karchakro, quoi. Il est Karchakro friendly. Pourquoi le son de Windows est si bas aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? De nos jours. À mon temps, c'était pas comme ça. Je suis un Pokévol. Ouais, tu t'emballes. Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Alors. Je sais pas, je trouvais ça bien, d'Armagnac. Parce qu'il a un dard, et voilà. Tunnel ramène au dernier centre Pokémon. Ok. Du coup, est-ce qu'on prend Gricknote? Il y a des attaques de merde pour l'instant. Ou est-ce qu'on prend Manchot? Je pense qu'on va partir sur Manchot quand même, même si j'aime beaucoup Gricknote. C'est vrai qu'actuellement il sert à rien quoi. Il est beaucoup trop faible. Hein. Beaucoup trop faible. Hein. Comment vous allez les Poké genre? Bah, écoute, ça va bien. On est entre Poké Rough. On est entre Crypto Bro. Non, je peux lui apprendre Draco Shock sinon. Allez, normalement, il y a Mathis qui devrait nous rejoindre en vocal, et peut-être Valentin. Ça va, Pépouze, rien de boulot pour les vacances. Ah, les vacances, c'est bien. C'est bien les vacances. Alors. Qui feront partie de l'équipe sélectionnée pour aller affronter la Lige? Nous allons prendre Manchot. Nous allons mettre en tout dernier. C'est un petit peu notre atout secret, Manchot. Nous allons prendre Kanozo, bien sûr. Et Tauraptor fidèle, bien sûr, au poste. Nous allons prendre Copan. Et la Kazam craquée, bien sûr. Nous allons prendre T-Quick et son tonnerre tonitruant. Et enfin, nous allons prendre notre compagnon de route de toujours, Shad. Mais je propose tout de même de passer à des mentions honorables à tous ceux qui nous ont accompagnés. Un grand merci à Draco qui nous aura beaucoup aidés de nombreuses péripéties. Un merci évidemment à Roro l'ectoplasma, toujours fidèle quand il s'agit. D'endormir ses adversaires pour mieux les assassiner après. Un merci à Bogos aussi qui aura fait toute une première moitié d'aventure avec nous. À Castorno, toujours fidèle au poste. Également un grand merci à. Tac 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 tac.
Ah, Dialga, bien sûr. Dialga, et voilà, et toute sa hype qu'il nous aura apporté. Un grand merci à Edwidge PNL, qui aura aussi eu son petit moment de gloire. Merci à Gameuki aussi qui nous aura accompagné, qui se sera fait attendre, hein, il se sera fait attendre de sortir de son œuf. Mais aucun doute qu'il deviendra Lucario absolument splendide. Voilà. Alors merci à tout ça, merci à Chaos aussi. Voilà. Merci à Pompon et ses belles fleurs. Merci à Nescafé et ses griffes acérées. Et merci à Matisse et son humour de clown. Voilà. Bravo à vous. Bravo à tous. J'hésitais à prendre Tirelire aussi, mais Manchot, je pense qu'il va être plus craqué que Tirelire. Ok. Ah, bien sûr, hein, merci à Lucard aussi, bien sûr, à Lucard nous aura. Bah oui, je suis bête, on a fait oublier. À Lucard aussi nous aura beaucoup aidé. Merci beaucoup à Lucard. Hein. Voilà, mais pour terminer, il nous faut une équipe de gens qui ont fait leurs preuves et un atout secret. On espère que Manchot sera se montrer à la hauteur quand il y en aura besoin. Voilà. Est-ce que j'ai des super bonbons? Je crois pas. Vrai qu'on pourrait donner ça aussi. Une déflagration, je pense qu'on a bien besoin. Hop. Hop. Giga sensu. Ouais, prendre Giga sensu. Quoi question, on a quoi d'autre? Hop. Hop. PV plus. Ah. Valentin, il n'y a pas beaucoup de PV. Hein. Copain non plus d'ailleurs. On est la copain. Ah bon? Ah, il peut pas. Zut. Ah bon, choix là. Et Valentin. Ah non, on peut pas. Kenozu, on peut pas. Ah bon? J'ai pas compris. Ah, c'est. Ah, d'accord, ils sont déjà au max en fait, ouais, d'accord. Hop. Bon, bah, on va bourrer le manchot, hein. Hop. Ah non, on va lui donner plutôt ça. Si ça peut lui donner plus de points d'expérience. On va pas dire non. On va donner les morts à T-Quick. On pourrait donner à Valentin. Ah, c'est vrai qu'il a resto corde, on peut lui donner ça pour resto corde. Hop. Voilà. On va faire des emplettes aussi. Guérison, on en a pas du tout, c'est parfait. Ça coûte cher, sa mère. Hop, est-ce qu'on peut acheter d'autres? Potion max, on va reprendre. Hop. Alors on bourre, on bourre, on bourre. Il faut bourrer dans la vie des fois. Total, ok. Je pense qu'on va le faire. Bon, ça va le faire, en vrai. Alors. Attends, c'est l'heure de sauvegarder. Et d'aller tenter cette ligue Pokémon qui semblerait soit
pas si évidente. Hein. Oups. J'ai renversé du café. Tout va mieux. Allons-y. À votre trouver les bons chariculteurs à travers votre beurre et jus que je vois si tu es apte à défier avec Pokémon. Ah, tu as donc obtenu le badge charbon de charbon, ça c'est bien ça. Ah, le badge forêt de vestigion, ah, la forêt et la nature. Ah, le badge pavé de Wallaroc, ah, le pavé, grande fierté le pavé. Hein. Ah, le badge palustre de Vercha, moi je me palustre beaucoup. Hein. Le badge fantôme du Nopolis, ah là, il fait peur celui-là. Hein. Ah, le badge mine de Jolie Berge, parce que tu as une belle mine. Ah, le badge classe de Frimapic, tu me donnes un froid. Hein. Et enfin, le badge phare de Rivamar, c'est le badge phare de toute la région. Félicitations, adresseuse, tu as rassemblé les 8 badges de Sino à votre bateau tout à l'heure, à gloire à Tata. Ok. Ouh. On est chaud. On est chaud. On peut le faire. Oh, on peut le faire. C'est ton frère qui était à l'entrée, là? Vous avez un petit peu le même... Le même amour capillaire, j'ai l'impression, non? Je peux sortir? Pousse? Ah, on peut pas. Ok, d'accord. ouais. ouais. Je sais pas du tout de quel type il est. On va découvrir ça tout de suite. Bonjour, et bienvenue à Ligue Pokémon. Je suis Aaron du Conseil 4. Oh, vite, t'en rencontrer. Je te préviens, je suis un grand fan de Pokémon Insectes. Ils sont à la fois redoutables et magnifiques. Et si je me bats ici, c'est pour devenir parfait, comme les Pokémon Insectes. Alors que le duel commence, c'est l'heure du duel. Incroyable. Chasse dans la bouffe, un signe qui est prêt à donner le meilleur lui-même. C'est parce que j'ai un type moins faible face à plus faible que toi. Ça va m'empêcher de te démonter, mon gars. Mon Shad, il est plus fort que tout. Et un coup critique, hop. Toxique. Aïe, ça c'est pas cool ça. Ah, oh, puis s'il se soigne sur mon dos. Là, ça ne vous plaît pas. Là, ça vous dérange. Là, ce n'est pas bon. Ok, c'est parti. Oh, une guérison. Oh, le chien. Déjà une guérison, quoi, dès le début. Bats-toi comme un vrai, mon gars. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a pas attaqué? Ah si, il a fait guérison, je suis bête. Allez, on le finit. Quoi, il a évité? Oh merde. Rayon lune. Oula, ça fait mal ça. Ah non, c'est pour soigner, d'accord. Mais il fait que de se soigner en fait. Il commence à m'emmerder. Il commence à m'emmerder gentiment lui. Allez hop, retourne dans ton cocon.
toute façon, tu es un papillon. Il ne te restait que 2 jours à vivre. Manche au bouton niveau 50, hein, c'est bien ça. Si on peut build up manche en même temps, ça nous arrange. Charmillon, alors par contre, je vais pas me refaire avoir. On va reality quick. Bravo Shad, c'est bien joué, franchement bien joué de la part de Shad là. Allez, c'est l'heure de donner plus d'amour à de Pokémon qu'on en a jamais donné les amis. Regardez Yamyu derrière là. Yamyu il nous aide, regardez, il est là. Hop. Oup. C'est l'heure de faire des étincelles avec un tonnerre. Haha, je l'ai bien eu. Hein. Boum. Bravo Tikwik. Scarino. Je crois qu'il est vol aussi Scarino. On va attendre. Quoique. Il est peut-être pas. Non, je crois qu'il est peut-être acier en vrai. Eh merde, je crois que je me suis planté en beauté. Je crois qu'il doit être insecte acier peut-être. C'est pas grave. Ça va pas nous empêcher de le guaquer. Oh merde! Aïe aïe aïe! Aïe aïe! Très mauvaise stratégie là ce que je viens de faire. Insecte au combat, ok. On va le paralyser. Ok. On va envoyer Copan du coup. C'est bon, Tikwik. La grosse erreur de jument de ma part là. Oh, pff, oh le séisme, il fait tellement mal. Oh. Ah le séisme. Le séisme, ça va être le fil rouge de toute la ligue Pokémon. Bon bah, pas le choix. Si y en a un qui peut éviter le séisme, c'est bien lui. C'est pas l'élève, c'est le professeur. Quand il y a des missions que personne ne peut réussir, c'est à lui qu'on fait appel. Boum! Pauvre copain, pauvre copain, pauvre copain. La pirène. Bon, je pense que ça va le faire. Allez, envole-toi, Kanuzu. Prends tout ton élan. J'avais trop la houille. Putain, je me suis payé le plafond. C'est vraiment bouffé le plafond en vrai, hein. C'est tout ce qui s'est passé. Hein. Boum. Oh, il graille. C'est que t'aimes pas les oiseaux, ouais, c'est ça. Je me doute bien. Hop. Vas-y, finis-le. Putain, il est pas encore mort. Il tient bon. Hein. Genre, téléporte en affaire Dragon Quest, ouais, c'est ça. Aïe! On aura une quoi si tu te payes vraiment le plafond, c'est rigolo. Ah merde, j'ai pas le choix. Il faut le finir. Avec un autre, tu peux le faire. Bien joué, Kanuzu. Kanuzu et Shad, hein, toujours côte à côte dans les niveaux. Hein. Kanuzu va prendre tout ou rien. Voulez-vous bien que c'est pour prendre tout ou rien? Plus de chose.
que Sexto, non. Une attaque Travis qui est lancée par tous ses PV restants et inflige autant de dégâts que la nuit. Ah ouais, non, mais fais la. Pourquoi la moitié des attaques des Touraptors, c'est des attaques où il se fait mal en même temps? Genre pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est suicidaire comme ça, les Touraptors? Ah, Tempête Vert, c'est pas mal, je crois. Ah ouais, Tempête de Feu, c'est. On réduit l'attaque Sam. Ah ouais, c'est un truc énervé, ça. En même temps, ça me ferait chier d'oublier Giga Chansu. En même temps, ça a l'air bien vénère. On perd plus, ça me donne un malus. En vrai, je pense pas que ce soit rentable, en vrai. Je pense pas que ce soit très rentable, en vrai, Tempête Verte. Mais en même temps, j'ai pas envie de me débarrasser des deux autres attaques. Enfin, des autres attaques. Parce que vraiment, c'est sympa d'avoir une palette de mouvements variée, je trouve. Donc, ça vaut le coup pour vous? Moi, je pense pas que ça vaut le coup, mais peut-être que vous feriez autrement, je sais pas. Ça vaut le coup ou pas pour vous? Que je prenne Tempête Verte et que je tège Giga Sensu ou Éboulement. Je pense pas que ça vaille le coup, honnêtement. Allez, on renonce à prendre Tempête Verte. 3. 1. Hop, à la limite, Giga Sensu. Ouais, c'est ça, mais le problème, c'est qu'il n'y a que 5 PP, quoi. Donc après, tu fais vite le tour. Hein. Bon, 5 PP, ça part vite, hein, voilà. Donc bon. Hop. On va un Draskor. Ah ouais merde, Draskor. Oui, d'accord. Merde. Attends, il est low PV là. C'est insecte poison, c'est ça? Qu'est-ce qu'il pourrait faire le café? Petit 3, je sais pas, petit 3, j'aime beaucoup. Bon, je vais garder Kanozo, je pense. Hop, on va soigner Kanozo. Parce que le mec en face, il a fait une guérison, il y a pas raison qu'on en fasse pas. Hop. Ouf, oh putain, la vache. Ah, le critique! Ah ouais! Pff, oh là 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 là! Ah, le critique direct, ça va fout mal, hein! Ah merde! Ah putain, le double type, ça annule! Merde! Qu'est-ce qui pourrait faire très mal? Bon, on va s'envoler. Merde! On va changer de Pokémon après, je pense. Ah, bien joué, ça c'est bien ça. J'ai vraiment rien d'avantageux face à lui. Hein. J'ai vraiment pas grand chose. Parce que si je l'envoie, il risque de prendre cher. En même temps, c'est vrai que le séisme, ça peut le calmer. Hein. Le séisme, ça peut le calmer très sec. Mais. Vas-y, envole-toi. Merde, putain, c'est vrai qu'il attaque en premier. Valentin, je sais pas trop. Hein. Bien joué. Ce n'est pas fini, ta première victoire avec Pokémon ne sera pas si facile. Ok. Vas-y, on va voir maintenant.
Youp. Ouf. Ah ouais, ouah. Mais oh, il est énervé niveau coup critique. Hein. Faut qu'il se calme. Hein. Ah, le séisme qui fait mal. Hein. Ah, le séisme il fait très mal, pour ça j'aurais pas dû envoyer un type feu. Qu'est-ce que tu m'as fait faire, T-Quick? Qu'est-ce que tu m'as fait faire? Oui, il attaque en premier, c'est bien ça. Oui, c'est bon. Bien joué. Bien joué l'équipe. Il y a juste Copan qui a pris vraiment très cher. Mais ouais, effectivement, combat déjà bien tendu hein, quand même, hein, pour le premier gars. Pas sous-estimer le type insecte. Hein. J'accepte ma défaite. Tu as pu constater la puissance des Pokémon insectes et de la Ligue Pokémon, mais aussi à quel point le combat est une discipline complexe. J'ai perdu alors que les Pokémon insectes sont les plus forts et les plus beaux. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai compris la leçon. Retour à l'entraînement. Je compte sur toi pour m'encourager. Je veux dire, ton prochain défi t'attend. Il te reste 3 dresseurs à affronter. Tous plus forts que moi, alors donne-toi à fond. Un insecte aussi majestueux que puissant. Voilà. Plus que 4 combats. Bon. Il est temps de ramener Valentin d'entre les morts. Enfin, Copan, je veux dire. Hop. Bravo. Bon. Tout le monde est au combat sauf Manchot, notre carte maîtresse. Il faut que Manchot reste dans l'anonymat encore quelques temps. Pour donner un peu de mystère à tout ça. Hop. 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 Ouh. C'est parti. Quel combat, mes aïeux! Hop! Tu vas faire les Pokémon légendaires ou Balek? Je sais pas si on les fait aujourd'hui parce que moi je pense que vous étiez plutôt chaud pour qu'on joue à des trucs ensemble quoi. Genre un petit Mario Kart, un petit Smash Bros quoi. Mais je crois on fera les légendaires mais plus tard je pense. Ouais, je pense qu'on on se fera une après-midi, on ira chercher les trois esprits et tout, ça peut être sympa je pense. Y a tous les légendaires dans le remake ou y'a des trucs genre Shaymin, est-ce qu'il est dispo maintenant ou s'il faut attendre ou quoi? Genre je sais pas. Regardez-moi ça. Comment tu es adorable, tu es également les redoutables. Je suis Terry, ma spécialité c'est les types Pokémon sol. Je vais te montrer ce dont t'es capable une vieille dame. Terry Bogard. Chepo. Terry Bogard, on le voit. Ma reste, bien sûr. Les fabuleux ne sont pas là. Les fabuleux. Bah, j'imagine qu'il y aura des events du coup. Hein. Je pense qu'ils font des distributions, des trucs comme ça. En tout cas, c'est déjà. On part déjà avec un bon avantage. Voilà, ça c'est bien. Désolé Marès, mais tu vas pas faire long feu là. Hop. Chamin, je crois qu'il y aura un event avec Pokémon Legend. Ah ouais, possible, ouais, peut-être. Ah, j'espère que ce sera bien un event comme à l'ancienne avec la route fleurie et tout. Hein, parce que si c'est juste tu vas voir Michel au centre Pokémon et il te donne un badge, moi ça va me saouler. Hein. Je vous le dis direct. Il te donne un Pokémon, ça va être relou. Barbiche. Ah bah continue. Bon bichot. Moi j'y colle. On l'a pas... Je l'ai pas affronté déjà Barbichon. Non, il fout ma gueule le jeu. Ah, c'était peut-être dans les sous-sols. Peut-être que je sais pas, ça comptait pas, c'est bizarre. Peut-être qu'il est pas dans le Pokédex, je ne sais pas, c'est étrange.
Hop là, bam. Bah écoutez, pour l'instant, un combat qui se déroule sous de meilleurs auspices que celui d'avant. Non, non, la route est là. Il y en a qui sont réussi à aller grâce à des bugs. Ok, d'accord, ça c'est cool. Allez, bugs du jeu. On va voir un simularbre. Ah putain, c'est vrai, je sais pas si c'est le Gouac lui. C'est le Gouac à chaque fois le simularbre. J'oublie tout le temps à quel point il est Gouaké. Papa. Et j'oublie tout le temps son nom. Je crois que c'est genre. Un simularbre. Chaque fois j'oublie son type, hein, c'est infernal. Ouais, c'est rushé ça, chaque fois j'oublie. Hein. Bah écoutez, c'est bien du coup. Ah ouais. Tu vas voir ce que c'est que faire mal, mon gars. Ça, ça fait mal. Boum. Bien joué, Shad. Shad, pour l'instant, qui roule, hein, franchement. Pour l'instant, c'est sa meilleure game. Le match-up est très avantageux, là. Gros lème, super. Oh, mais continue comme. Eh, mais continue, continue, madame, continue. Continue de me régaler comme ça. Hein. Ah ouais, séisme. C'est quoi ce séisme là? C'est pas un séisme ça. Je vais te montrer ce que c'est qu'un séisme, mon gars. Voilà, ça c'est un séisme. C'est pas le Pokémon qui bloque le chemin au début de Crystal. Oh, l'argent. Simularbre, oui, c'est ça. Super et Simularbre, oui, c'est ça. Ah, oh, guérison. Oh non, tu es sérieux là, voilà. Tu ne fais que retarder l'inévitable. Hop. Fermeté. Casse les coups. Youp. Voilà, il m'a régalé. Finis-le, finis-le! Guérison! Oh, c'est pareil, on dirait moi tout à l'heure. Le jeu qui joue comme moi, quoi. Allez, dégage. Putain, la fermeté. Ça va être la boucle, elle va se soigner à chaque fois. Allez, finis-le là. Oh, je pas juste. 58. Ouais, Hippodocus. Il est stylé, lui, j'aime bien. Ce combat de titan, quoi. Un combat de kaiju, là. Ah ouais, il a évité Crogivre. Oh, il régale Shad. Hein. Vraiment, son meilleur combat. Allez, hop, un petit coup critique, on n'en parle plus, quoi. Un giga sensu, ça régale, hein, franchement. Ouah. Hop là, copain qui monte de niveau, copain qui monte, malgré le silence des médias. Eh bien, je suis impressionné. Il est évident que les Pokémon croient en toi et feront leur mieux pour remporter la victoire. Malgré ma défaite, je ne peux m'empêcher de sourire. Tu es vraiment très douée, jeune dresseuse. J'admire la façon dont vous unissez vos forces, tes Pokémon et toi. C'est ce qui fait toute votre puissance.
Je pense que vous irez très loin, et je sais de quoi je parle. Ah, franchement, ce combat, on l'aura... Regardez-moi ça. Il est full vie, j'ai même pas besoin de le soigner. J'ai même pas besoin de le soigner, il est déjà full vie avec le Giga Sensu. C'est beau, ça. Hop, par contre, on va lui remettre des PP pour Giga Sensu. Hop, voilà. Même pas besoin de le soigner, il s'est soigné tout seul. Hop. On dirait Agatha, gentil cette dresseuse. Oh bon, par contre là, pour Shad, ça va être une autre tambouille. Le type feu, le type feu, le type feu. C'est vrai qu'on n'aura pas eu un Pokémon de type eau de toute l'aventure. Je sais que le sol, ça fait mal au type feu. Mais le truc, c'est qu'il est type plante aussi, mon petit gars, quoi. Donc... Ah, il y a la roche aussi. La roche aussi, il est pas avantageux. Je sais plus si on était... Ouais, bah c'est chat qui a un type roche et type sol en attaque. Parce que là, je sais pas ce qu'il pourrait... Bah, c'est manchot, manchot, c'est même pas la peine d'imaginer de l'envoyer. En vrai, je peux remettre Shad devant. Ça va être trop chaud pour Shad. Hein, lol. Ah, je peux garder Shad en carte maîtresse au pire. Parce que, en fait, si Shad attaque en premier, c'est le one shot assuré, je pense. Mais s'il attaque en deuxième, c'est lui qui va prendre Shad. Donc, je pense qu'on va essayer de. D'envoyer d'autres gars en premier, je pense. On va envoyer Kanuzu en premier. Il a pas encore trop... Faut qu'il fasse ses preuves encore. Dans cette ligue. Hé là, TS, je brûle d'impatience de t'affronter depuis que j'ai appris que t'es arrivé. J'ai entendu parler de tes exploits à Rivamar. T'as réussi à raviver la flamme de Tanguy. Bien joué. Du coup, évidemment que j'ai hâte qu'on se batte. Adrien, le conseil 4. Faut se la donner. Mais oui, je l'ai dit en avance. Adrien envoie un galopin. Vas-y, Kanuzu, j'ai confiance en toi. Du coup, vu que j'ai pas encore mangé, je pense dans la soirée, on fera une pause manger parce que. Il faudra que je me nourrisse aussi. Hop. Du coup, faut voir s'ils ont mis sur l'équipe de platine ou de diamant. Parce que du coup, dans le jeu de base, je rappelle qu'il avait qu'un seul Pokémon de type feu. Ah. Ça, c'est pas trop du type feu, ça. C'est même tout l'inverse. Il va rien faire, par contre, le pauvre Kanuzu, là. Aïe. Que de faire. Ouf. Oh, le bâtard. Oh. Vas-y, Valentin. Qu'as-tu osé faire à Kanuzu ? Il va falloir qu'on prenne la revengeance. Fou, ah bah putain. Ce combat d'esquive. Vas-y, finis-le. Bam, voilà. Lockpin. Ah ouais, mais je crois qu'ils ont vraiment mis son équipe de diamants. Hein. Il n'a vraiment pas beaucoup de Pokémon feu, en fait. Vas-y.
Oh, c'est pourri. C'est archi pourri. Vas-y, brûle le vivant. Pied voltige, oui. Ça va. Quand elle est relou à se soigner. Ouf! Aïe 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 aïe. Déjà deux potes KO là, ça nous arrange pas ça. Ça nous arrange pas là. Vas-y, t'es quick. Vas-y, croque ce lapin là. Fais-en qu'une bouchée. Ah merde, il y a le pied voltige, j'ai oublié. Ah, c'est bon. Vas-y, finis-le. Non, je m'en doutais, le sac. Ah, la guérison qui fait mal. Il est infernal ce Lopin, ouais. En vrai, le Lopin, il est assez infernal. Je pensais qu'on allait s'en débarrasser vite fait, mais pas du tout. Oh bien, bravo tout quick. Quoi? Il s'est passé. Ah, c'est quand? Ah d'accord. Ah, pied voltige, quand ça se fait esquiver, tu prends masse dégâts. Ah ouais, d'accord. Je savais pas que c'est comme ça. Le galopaf, vas-y. Ok. Ouais, bah du coup, bah, j'avais capté, c'est vrai que sur le coup, j'étais 4. J'ai calculé. Hop. Il y a un manchot qui monte de niveau. Gros drive. Ah, bah parfait. Vas-y, parfait. Vas-y, continue. Il a vraiment qu'un seul Pokémon de type feu, quoi. C'est lamentable. C'est vraiment nul, quoi. À part si le genre a un Simia Brass caché, peut-être. Ah putain, il fait que d'éviter. La rate pas, la rate pas. Ah, il est relou. Ah, le sac. Ah bah si, voilà, il y a un Simia Brass caché. Ok. Ah, bah, pas du tout, là, le combat, là. Ah, il va me faire mal. S'il fait une attaque combat juste après, il va me faire très très mal. Faut que je change. Ouais, je pense que c'est le Copan. On va sortir Copan, je pense. Vas-y, Copan. Par contre, j'espère qu'il va pas se faire one shot. Hein. J'espère qu'il va pas se faire one shot. De ce combat, ok. Fou, ça va, il tient bon. En plus, ça lui faire des dégâts aussi, Mia Braz. Hop.
Non, c'est la défense, lui, c'est ça. Hop. Faut qu'on se soigne, par contre. Point feu. Ouah, d'où ça fait aussi mal? Putain, moi j'ai pas le choix, hein, je peux rien faire. Je peux vraiment rien faire. Ah putain, il va me finir. Ah putain, bien joué copain. Bien joué copain. Oh non, putain, mais il a évité aussi. Oh mais c'est infernal. Au secours quoi. Coup critique. Oh là là, putain. Pourquoi moi je fais jamais des dingueries comme ça là? Allez! Putain, il va mourir. Copain, tu pues! Tu pues, copain, c'est ouf quoi! Ah, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ouah, c'est bon, il tient bon. Oh, merci Torterra, tu rigoles. Putain, mais il est vite! Mais il est vite tout! Au secours! J'en ai marre! Putain, mais je peux rien faire en fait. Il va tout le temps attaquer. Ah! Il va tout le temps attaquer en premier, je peux juste rien faire. Bon, j'envoie Manchot à l'abattoir. Hein. J'envoie totalement à l'abattoir. Hop. C'est un petit quick. Et ça baisse ta défense, cette deux cons là. Et ça baisse là ta défense. Hop. Ça m'arrange. Hop. Ok. Cage éclair. Non. Non, putain, vas-y. Oh, le critique. Toujours des coups critiques dans la vie, tout le temps. Oh, mais j'ai peur. Le copain, tout à l'heure, il a pué la merde, quoi. Alors qu'il suffirait qu'il touche une fois. Vraiment, il touche une fois, c'est réglé, quoi. Le truc c'est qu'il pue. Il pue la merde, je suis désolé. Putain. Voilà, mais ça, mais c'est affligeant d'être naze comme ça. Et ça a abusé. Mais c'est quoi ça, la Casamambu, sérieusement?
Le jeu qui prend 3 heures à se lancer. C'est le guac là dans le chat. Le chat ne répond plus. Tout le monde était choqué par ce qui se passait. Aïe 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 aïe. Mais le Simiabras qui évite tout et qui te fait trop, qui te met trop cher, il met des critiques tout le temps, il évite tout, infâme quoi. Allez. Allez. Ah, Valentin, ça c'est beau ça! Continue comme ça, mon gars, ça c'est bien ça. Vas-y, finis-le, finis-le, finis-le. Oh, guérison. Petite bite! Ah là là. With the best galopa, à Valentin bien sûr. Hop. Hop. Moi aussi je peux faire guérison mon gars. Tu pouvais pas le faire moi. Vas-y, finis-le. Ah non, pas tout de suite. Ah, bordel. Non, pas comme ça, Zinedine. Hey, tu me saoules là, casse-toi. Mais non mais putain, mais non mais... non mais...
Ça suffit, quoi. Ah, c'est moi qui vais m'endormir dans ce combat de merde, quoi. Alors, au bout d'un moment. Ah, ouh. Allez, tue-le maintenant. Non mais putain, mais... Oh la gueule du combat, quoi. C'est infernal, ce combat. Ah, mais vas-y, tue-le. Salut le monkey. Ça va ou quoi? Oh, pff. J'en ai marre, c'est la boucle, c'est le Covid, ça signe jamais en fait. Putain, mais... Bah vas-y, tue-le moi là, ta grosse daronne, de toute façon, là, putain. Aïe 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 aïe. Faut anticiper les mémoires. Oh, mais c'est chiant, je pensais pas qu'il allait me boucler. Le mec, il restait que 5 PV, il lâche pas le steak, quoi. Genre, c'est insupportable. Vas-y, casse-toi. Vas-y, bute-le. C'est bien, T-Quick. Allez, rentre chez ta mère. Ah oh, putain, y'a de l'open aussi, l'infernal. Oh, aïe aïe aïe. Vas-y. Oh, allez, ah, pour l'open, le karma. Allez, allez, hop, bouffe ça, toi. Allez hop. Boum. Oh, guérison, guérison. Ça se dit maître de la ligue après. Aïe 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 aïe. Oh, bien joué, t'es quick. Allez, t'es quick, tue-le. Tue-le. Merci. Aïe, aïe. Bon, le lockpin, c'est fait. Il reste quoi? Steelix, le gros drive, et Simiamraz. Steelix. Putain, j'ai plus de... j'ai plus l'autre con, là. Putain, le poney, là. Le poney, il a servi à rien. Incroyable, quand même.
Et hop. Overdrive, ok, alors on va reprendre petit quick. En termes de difficulté avec Pokémon est pas mal en son genre. Ouais, vraiment. C'est vraiment un Pokémon qui va trop lourd, quoi. Dans le Simiabra, là, il était infernal. Hein. Bon, on va rien dire sur la boucle du Ponyta tout à l'heure, là. Il galope pas, là. Et ça, gravité petit reste. Je crois que ça servira à quoi que ce soit, mon gars. Ok, le Simiabras. Oh, merci. Oh là, oh, il s'est guéri tout seul. Mais Tikwik, il régale. Mais il régale tellement, quoi. Les autres devraient prendre exemple sur lui, quoi. Hop. Oh, je le sens l'air d'intervention jusqu'ici. Vas-y, paralyse-le, là. Petite clash éclair. Ah, il va me one-shot. Il va me tellement one-shot. Ah non, c'est bon. Fou. Ah, bien joué, bien joué, bien joué! Profitez pour soigner Shad, on respi. Hop! Ok. Voilà dinguerie ce qu'il vient de nous faire. Ça sent aussi, mais j'ai perdu mon dernier mot. Oh Tikwik. Oh le Tikwik qui a carry la game. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Oh là là, yes! Allez, casse-toi là! Ça alors, je m'attendais pas à ça! Je sais pas ce que je te sous-estimais, mais je pensais vraiment pas perdre ce combat. En tout cas, tes Pokémon toi, vous êtes vraiment fantastiques! Bravo l'équipe! Ouais, tu m'as réduit en cendres! Ah, oh, t'as le somme, 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 mon gars, t'as le somme! Vas-y, tu peux passer. C'est ça. Va chialer là. Salut Tim. On est en stream. On est en streamance. Tu vas bien? Ça va et toi? Tranquille, tranquille. On est à la Ligue Pokémon. On vient de battre Adrien après qu'il nous ait mis une branlée. Hop. Ouais, j'ai vu ça. Je suis rentré sur le stream. Et t'as vu Adrien qui est l'exemple typique du nombre de Pokémon de type feu dans la 4ème génération. Deux connards. Parce que à part ça il a Simiabras, Ponyta et je crois qu'il a... Ouais non mais je crois qu'ils avaient réglé ça dans la version platine après je crois. Ouais il me semble hein, parce que la version platine il y avait beaucoup de Pokémon dans cette génération qui...
Adrien, Pokémon, je vais vérifier. Vérifier sa team. Mais ouais, c'était un petit peu un running gag de l'époque. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est ça, dans le platine, il a Demolos, Pyroli, Galopa, Simiabraz et Maganon. Mais ça, même Maganon, il aurait pu le mettre, tu vois. Ah ouais, non, mais carrément. Je... Là, il a juste un pauvre Galopa, un pauvre Simiabraz, quoi. Ah ouais. Ouais, sinon, tu vas bien tout seul, la famille? Ouais, ouais, tranquille. Un peu spécial comme soirée, mais ça va. Bah. Hop, je monte le son pour que les gens t'entendent bien. Hop. Nice. Hop. Coup de bonsoir à Chaos, à Katibo qui est avec nous. Hop. Salut tout le monde. Boum. Lui c'est type spectre psy. Ouais, ça va être un bail comme ça je pense. C'est spec là du coup. Bah écoutez, on va piffer hein. Son premier c'est un type spectre il me semble. Je crois qu'on a déjà sauvegardé mais je re-sauvegardais dans le doute. Pas envie de morpher sur le Adrien là, hop. T'as des Pokémon niveau combien du coup? Bah, je vais faire un petit coup d'huile aussi. Là on est dans une moyenne de 60, sauf Manchot qui tire vers le bas parce que je l'ai récupéré dans le doute pour le Karchakro. Tu vas voir Cynthia. Ah, Cynthia va être énervée, hein, je me doute bien. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Salut, T-Quick. Faut que je remette du tonnerre. Ah, boum, on va attendre. Ok. Ah, tu ne pouvais pas mieux tomber. Je viens tout juste de finir mon livre. Permets-moi de le présenter. Je suis Lucio de Overwatch, adepte de Pokémon Gypsy. Je dois admettre que tu m'impressionnes. Ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver jusqu'ici. Chose que je me considère comme le plus redoutable du monde des conseils 4. C'est pour ça que je suis le dernier en fait. J'ai trouvé sur le champ que je suis à la hauteur de ma réputation. Écoute Arbadiac. Lucio. Monsieur Mime, monsieur Mime. Ah, le pièce stockord là, ça fait mal normalement. Ouais, c'est de la merde. Ça fait que dalle. Mur lumière. Ah, franchement, contre Monsieur Minim, c'est pas mal. Il a une grosse défense. Hein. Ah ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et en général, tu veux en arriver à bout assez rapidement parce que là, il va te mettre un protection aussi après. Et t'es cool. Mmh. Ah ouais. Ah bah là. Protection. Ah cool. Là, je pense que tu l'as sous. Oh la guérison le bâtard! Oh là là. Ah ouais, ça tombe big là. Ouais, t'as vu? Tank de fou, hein. Putain, la guérison, énervé. Psycho. Psycho quack. Putain! Tu fais mal. Le bâtard va. Ah pour Valentin, je sais pas s'il va tirer encore très longtemps. Oui. Ah, le psycho là. Non. Le psycho couac là. Ok, c'est pas grave. J'espère qu'il va pas mettre le psycho couac. Pas grave, on a de quoi les rosser, on a de quoi les rosser. Hier soir, il m'est arrivé un truc incroyable. Mmh. Il y avait deux pélos qui s'embrouillaient dans ma rue en voiture.
Et genre vraiment, il était minuit 45 et ces enfoirés, ils arrêtaient pas de klaxonner. Oh l'enfer. Donc nous, avec Moé, ça allait, on était réveillés, on n'avait pas eu trop de soucis, mais pour les voisins, on avait les boules, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, à un moment, on est sorti par la fenêtre pour voir ce qui se passait et tout, et moi, j'avais un œuf à la main. Et on voit la voiture qui klaxonnait en balle, on lui a balancé un œuf. Enfin, je lui ai balancé l'œuf et ça a atterri en plein sur sa portière arrière et ça a été mon grand moment de victoire de la soirée. Il a dû Ah, le wack. Ah, il a dû se dire what the fuck les amis. En plus, je me suis senti un peu con parce que je crois que j'ai tiré sur la voiture du devant et que c'est du derrière qui klaxonnait. Mais... Okay. En vrai, les deux, ils étaient chiants. Tu vas faire quoi avec ta petite girafe là? Ah, et girafe Harry qui tank pas mal aussi, hein. Ah, on va le mâchouiller. Ah bah. Voilà, hop, il va rien tanker du tout. Ah, moi, je sais que j'avais bourré les CT avant la ligue pour apprendre tout, des trucs pétés et tout. Ouais, on avait été au magasin sous les conseils de T-Quick. Ah ouais, j'ai fait pareil. Et ouais, du coup, obscur, c'est vraiment pas mal. Putain, je sais pas si t'as eu des meilleurs. Ah, peut-être pas, je pensais que tu faisais plus mal. Parce que j'avais l'impression d'avoir vraiment eu des IV pas terribles sur ma run. J'avoue que je m'en garde pas à regarder ça. Ah, moi non plus, j'ai vraiment pas fait attention, surtout que c'est super chiant, t'es obligé d'aller sur des sites, de Ah remplir ouais, tous les enfin. EV et tout. C'est bon, C'est y'a bon, que moi. la ligue qui est strat dans le jeu, C'est bon, moi pas je prends besoin de des. se prendre la tête avec ça. C'est bon, moi je prends des douches. De fou! Mais t'as joué au jeu comment du coup pour avoir des Pokémon niveau 50? Pourquoi ils sont niveau de combien les tiens? Alors, personnellement, au bout du troisième badge ou deuxième badge, j'avais des Pokémon qui étaient très haut level, genre niveau 30 Bah, quoi. en fait, moi ce que je fais, c'est que tu vois, j'ai des Pokémon, mais en fait, j'ai genre 2-3 autres remplaçants dans mon PC, tu vois, genre. Ok. En fait, à chaque fois je faisais tourner, dès qu'il y en a qui prenaient trop l'avant, je le rangeais, j'en prenais un autre pour le remplacer, quoi. Ouais, bah perso, la limite de manière de jouer au psy que j'avais trouvé et que j'ai faite, du coup, c'est quand j'ai vu que je commençais à être vachement overlevel, j'ai mis tous mes mains dans la boîte et j'ai Ouais, commencé à c'est ça. prendre que des Pokémon que je voulais faire évoluer. Ouais, bah c'est plus ou moins ce que j'avais fait vers la fin, ouais. Et du coup, plus que de faire une run avec une team et tout, j'ai fait une run Pokédex un peu où du coup, j'avais pas mal de trucs à faire évoluer et. Ouais, Et c'est ouais, pour je ça. switchais tout le temps quoi. Mon PC, j'ai Drascore, j'ai Ectoplasma, tout ça, quoi. Ouais, les beaux gosses. Et le gros gouac, je sais plus si c'est Kadabra qu'on t'échange avec la pierre stase ou si c'est Spectrum. Non, c'est Spectrum, c'est un Abra qu'on t'échange. Ah, moi, j'ai chopé un Fantominus, je l'ai fait monter moi-même après. Ouais, parce que in-game, on t'en propose un. Ouais, c'est ça, et puis en fait, Et c'est le wack. c'est la plus grosse raclerie du jeu. Hop. Je pense que c'est la raclerie top 1 et la raclerie top 2, c'est la miniature de la zone de combat dans Ruby Omega Saphir Alpha. Ouais, y a aussi un petit Nostanfer, je l'ai fait monter aussi vers la fin. Hop, moins chaud. Ah, Nostanfer, je l'aime trop, il est trop beau. Oh, de ouf. Genre, les développeurs ils ont fait. Et si on prenait notre Feralto qui emmerde tout le monde et qu'on en faisait un Shad? On fait ok, let's go. Ah ouais, c'est un beau gosse ultime. Ah merde, il prévoit l'attaque. Est-ce que tu peux prévoir ta mort, Alakazam? Allez, casse-toi. Par contre, fais attention, je crois que la préscience reste après sa mort. Je crois que c'était le dernier Pokémon. Ouais. Ah bon, bah c'est good. Parce que préscience, c'est une Ah attaque qui non, il a fait très Archéodon très mal. encore. Ah, mais Archéodon qui est très dur. Ah, il doit bien tanker lui, je pense. Fais un petit rappel sur Galopin. Ah merde, pardon. Tout. Ok. Ah ouais, niveau 55 ou 65. Oh, le petit quick il régale trop, bordel! Ah ouais! On a pas mal switché de Pokémon, ouais. Il y a eu des rebondissements. Pareil, j'avais un Castorno toute la première moitié du jeu.
Ok. Beau gosse qu'on l'a appelé. En même temps, bah, c'est obligé. Hein. C'est un pléonasme. C'est ça. Hein. Ouf, beau gosse, c'est un peu des synonymes. T'avais suivi à l'époque les Bidouf Comics ou pas? Ça me dit un truc, quoi. C'était des comics qui étaient trop bêtes, qu'on aurait dit qu'ils étaient faits par un enfant de 8 ans, et c'était trop marrant. C'était. Genre, t'avais un côté mignon et rigolo en même temps, tellement c'était simplé et bizarre. Ton bidouf il est craqué là. Genre, t'as un comics où t'as un Itourmi qui vient voir Bidouf, il dit viens voler avec moi, et t'as Bidouf, j'ai pas d'aile, et t'as Itourmi, il lui fait c'est pas grave, je te prête les miennes, et après t'as un vieux découpage Photoshop d'un Bidouf avec les ailes des tourmis. Ah putain, copain, il prend cher. Ah ouais. Ah, Girobal, babaille. Girobabaille. Pour ça, au début, quand j'ai commencé à streamer le jeu, les gens qui passaient des fois, ils sont en mode « Pourquoi t'as un casse-turno ?» J'ai plus la merde, j'étais en mode « Cassez-vous, les gars !» C'est le Cassez-vous, vous allez vous prendre à ban, en fait. C'est pas mieux que lui, en fait, ouais. Ah bon, il va falloir que j'envoie un Pokémon au suicide, je pense. Pom pom pom. Hop. Sinon, je peux soigner Shad, je pense que ça devrait aider, en vrai. Débloquer l'e-bot Carapuce pour 4 heures. Faut que je le refasse moi-même avant que Nintendo me colle un procès. En pixel art et tout. Ouais, c'est ça. Pour ça, l'icône des abonnés, c'est déjà moi qui l'ai refait. Ouais, elle est grave propre. Franchement, bien joué. Si, merde. Surtout que c'est relou ce que je dois faire en vla petit, genre parce qu'après ça compresse de ouf, et du coup j'ai dû faire genre peut-être en même pas 20 sur 20 je crois le truc. Ah ouais. Ouais, c'est infernal. Bah franchement pour du 20 sur 20 c'est hyper quali en petit. Allez, la machouillance. Ouais, bravo. Bravo le Shad. J'ai battu Locio. Oh. Je vois tes précédentes victoires, elle avait rien à coup de chance. Ta force est réelle. Toutes mes félicitations, tu as battu le Conseil 4. Cependant, ça ne veut pas dire que tu en as fini avec les Pokémon. Il te reste à affronter le Maître. Laisse-moi te prévenir, le Maître est bien plus puissant que tous les membres du Conseil 4. Va, fougueuse resseuse, la route vers la gloire devant toi. Je me demande bien qui c'est, quand même, le Maître. Ouais, je crois que c'est... Peut-être le professeur Sorbier, peut-être. Ouais, ou le professeur Chen. Peut-être maman, peut-être. Peut-être maman, ouais. Ah, c'est maman. Et je me rappelle, moi, le souvenir de mon enfance, c'est le piano de maman, là, avant que je batte contre elle. Et vraiment, le piano de maman, il m'avait tellement marqué à l'époque que j'étais resté une demi-heure sur le loop de la musique. Ouais, bah. Et je me souviens, j'étais chez les grands-parents et tout, en Ardèche, et... Et j'étais allé genre carrément dans le salon au bout d'une demi-heure pour vous dire « Écoutez-moi cette masterpiece, même Mozart n'a pas fait mieux. » L'image du Wojak qui pleure là en écoutant. Hop. Ah, cette partie pour Sintionche. Qui m'écrit? Ah, Mathis m'écrit. Comment vas-tu depuis l'autre fois? Merci pour ce que tu as fait au mon couronné. Tes Pokémon et toi avez surmonté autant d'épreuves ensemble. Vous n'avez cessé de vous surpasser. Ces épreuves vous ont permis d'accumuler une force impressionnante, je le sens. Mais assez bon, parlé. Fait... Passons aux choses sérieuses. J'avoue, c'est assez poussé les cheveux. Oh, le panneau. Cette OST est incroyable. Même l'OST du combat est... Moi, maître des Ligues Pokémon, j'accepte ton défi.
Allez, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Laisse-nous gagner, Cynthia. Elle va nous démonter la gueule proprement. Elle va nous démonter la gueule proprement. Ah, le spirit tombe. Salut Valentin. Salut. Salut Valentin. Ah bah tu... On vient de te sortir là. Ah, je suis KO ou... Non, le combat non, comment s'appelle toujours, toujours debout, toujours vivant. Ah, ça va. Comment se passe la ligue? Ouais, pour l'instant c'est Adrien qui nous a mis une branlée, mais on s'est rattrapé après. Ah merde. Mais là on est à Cynthia, ça rigole moins. Ah, donc plus tard. Alors attends, je vais démarrer le live. Ah, je me souviens pas que Galopa tankait autant. Ah, je sais pas s'il va tanker encore grand chose là. Tu vas faire un peu de post-game après ou tu t'arrêtes à là après Non, après je comptais jouer avec les gens après. Mais je ferai du post-game en stream, je pense, ouais. Mais peut-être pas juste après. Ouais. C'est quel jeu qui est prévu? Je sais pas, un peu de tout. Faire du smash, du truc, du bidule, là, comme tu veux. C'est quand qu'on joue à l'eau en multi? Écoute, onche. Ah, je sais pas quoi faire. Mais j'ai du décalage sur le... Est-ce que tu dis que t'as sorti Galopa? Bah ouais, on est... Bah oui, il est là. Perso, je suis grave chaud pour un smash. Ah mais oui, tu l'as... Okay, ouais, bon, on se fera un petit smash après, je pense. D'ici 2 heures, quand j'aurai battu Cynthia. Vibre obscur. C'est vrai que ça a l'air. Je pense que chaque fois que tu vas le voir, tu vas payer... Valentin. Il endure le choc. Il est niveau combien ce Pokémon? Parce que du coup sur le stream on voit pas avec ton petit, avec ma grosse 63. Tête on voit pas. Non, avec le Spion FPV on voit à 61. Ah okay. Ouais, ah merde, c'est vrai que j'ai pas vu. Putain, on aura fait tout le jeu comme ça et personne m'aura dit quoi. Ça m'aura dit, attends, on voit pas les niveaux en fait. Ouais, on a pas du mal à avoir la barre de vie complète. Ah. Oups. En fait, c'est pas peut-être très grave. Bouge hein, mais... le à côté des icônes Discord. Juste que, attendez, hop. Genre en haut à gauche à côté des icônes Discord, ça peut être pas mal, peut-être. C'est vrai que ça m'a jamais marqué, mais c'est juste que là, j'ai regardé pour voir par rapport au niveau de tes Pokémon pour voir si ça allait bien passer, mais c'est compliqué quand même. C'est où qui est compliqué? C'est bon, là, c'est mieux. Hop. C'est pas grave au pire. Si, c'est grave, c'est extrêmement grave, T-Quick. Hein. J'arriverai pas à endormir la nuit, je pense. Est-ce que t'es au courant du niveau du Karchak Rock ou pas? Mais si t'as suffisamment de rappels, tu vas peut-être pouvoir l'avoir à l'usure, le Karchak Rock. Bah, c'est vraiment dur parce que l'idéal vraiment contre Cynthia, ce serait d'avoir des rappels max, et il me semble que les rappels max, tu as pas accès à. Ah non, j'en ai pas les Jones. Mais... les arbres rappels, sinon ça fait la fin, non? Ouais, mais ça fait baisser à mort l'amitié de tes Pokémon aussi. Du coup, ça dépend ce que tu veux. Mais en soi, si t'as 2 tours pour augmenter un Pokémon, pour raise un Pokémon, c'est cool. Moi, je sais que j'avais beaucoup profité justement de Milobelus pour me régénérer un peu ma team. Parce que Milobelus faisait pas tant de dégâts que ça. Et en même temps. Il a pas mal d'attaques un peu passives qui justement te laissent des tours pour te mettre bien avec tes Pokémon. Là, je suis pas très passif là. Ah ouais, je vois bien, t'es très offensif. Là, va peut-être faire un petit potion max, ça ferait pas de mal, je pense. Pour le T-Quick. Ah ouais. Oh, mais elle fait que twitcher! Elle fait que twitcher! Ouais, elle joue très. Très stratégique, Cynthia. C'est quoi ce game là? même toute la ligue est très très stratégique comparé au reste du jeu. Et quand tu vois les efforts de stratégie qu'ils ont mis dans la ligue, je trouve ça assez dommage. Vrai, ça fait de la les peine. Champions d'arène, ah merde, je suis con, pourquoi je fais cage éclair ça? Je suis pas efficace, je vais être. Ah bah oui, il est type sol. Ah non, je suis bête. On va faire le switch du coup. Hop. T'en fais pas. Il est au sol, ouais.
Il claquait au sol. Vas-y, hein. Kanyozu. Ah bah Torterra mon gars. Torterra mon gars. Tombe rush. Ah non, pas la tombe rush, ça fait mal ça. Ah non, ça va en vrai. Ouais, je pensais que ça ferait plus de dégâts sur les tours absorbes. Tu les as un peu boostés avec des protéines et tout ou pas? Oui, ils étaient tous au max ces bâtards. C'est-à-dire? Bah je pouvais pas leur donner. Ah! J'ai pas essayé donc j'ai pas vraiment su. Parce que les protéines, je trouve ça bien, mais le problème c'est que du coup après ça te stoppe un peu dans ta progression. Ouais, après si tu te fais cramer, t'es banni des tournois et tout, c'est un peu emmerdant aussi après. Ah ouais? <C'est>... Mais non, mais c'est genre. Mais putain, oui, ok! Genre la salle et tout. Bon, un petit peu. Essayer de faire une blague genre, de. Genre une fois j'ai fait du vélo, après ils ont cramé et ils m'ont viré quoi. Ouais, et les JO c'était fini. Essayer de faire une vanne de bodybuilder. Close combat, garde-le pour un finisher, hein. ça met très très mal après. Ouais. Les défenses, les stats de défense elles baissent pas mal. Tu parles de me faire Vlama si je fais rapace, mais en même temps. En même temps, ouais. Ah, heureusement que j'ai le petit gros lot derrière. Ah ouais, ouais, il fait vraiment plaisir pour les Pokémon qui se blessent en frappant. Ah, surtout que ton Raptor, la moitié d'attaque, c'est ça. Mm-hmm. Ok, là, petite popo là. Ouais, vas-y, de manière safe. Tu prends combien ton Pokémon la plupart du coup? 62. C'est minimum 62, hein. 62 le petit quick que j'ai là. Ah bah ça va alors. Ah allez, je veux dire ceux de Spike. Ouais, de moi il a dit. Oui, oui. Ok, ouais, bah ouais, 58 à... C'est même 53 à 60. Alors vraiment, le manchot c'est le dernier espoir. S'il n'y a plus rien, on l'envoie. Bizarre est très sympa contre Karchakrok. Ouais, c'est pour ça. Au début j'étais parti sur un Dimoré, mais Dimoré... soit c'était bien qu'il était rincé au niveau des IVEV, soit... Je sais pas, mais j'ai switch sur Bizarre après. J'avais beaucoup de mal à le faire XP du coup. J'étais reparti dans les souterrains. Ouais, la même. Level. Vraiment la même. Hein. J'ai tellement lâché le jeu, je pense que j'y jouerai jamais. Le pauvre jeu. Bah non, mais j'ai tellement pas. Il me motive tellement pas. Ah, j'avoue lequel? Que. Là, la Ligue Pokémon, ça c'est cool, mais c'est vrai que. Pouf. Ok, genre t'as une Switch, mais le jeu te motive pas, c'est ça? Ouais, bah, c'est ça. Oui, j'ai joué et... Hop, juste que moi j'ai adoré à l'époque et c'est vrai qu'il y a pas grand chose de plus, quoi. Ouais, c'est ça, enfin... C'est très bien si tu veux revisiter le jeu, un peu mis d'actualité et tout, mais... personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à me faire au design des personnages. J'aurais bien aimé qu'ils fassent un peu une refonte graphique, comme ils avaient fait, enfin... Oui. Enfin, plus qu'ils auraient orienté le jeu un peu dans un mode Pokémon épée bouclier, tout en gardant le côté de l'époque. Ouais, j'aurais tellement aimé une zone sauvage, mon couronné, mon gars. Ah ouais, ça aurait été incroyable. Ou une zone sauvage dans les zones enneigées au nord et tout, ça aurait été trop bien, quoi. Ah ouais, ça aurait été énorme. Moi, j'ai, comme je l'ai dit plusieurs fois dans le stream, c'est que j'ai pris beaucoup plus de plaisir à jouer à Let's Go, quoi. Bah, après... Graphiquement, au niveau du monde et de tel que les personnages apparaissent dans le monde, j'ai mis du temps à m'y adapter, mais j'ai fini par le faire. Autant à un point très respectable du jeu, j'ai trouvé que c'était en termes des animations de combat. Oh, point le bâtard! Oui, je trouve que les animations de combat, ça faisait longtemps qu'elles n'avaient pas été aussi travaillées pour un remake en tout cas. Ouais, dans les combats, le jeu est joli, hein, c'est le plus beau. Par contre, quand on est en dehors, ils ont abusé sur les effets de flou et tout, c'est abusé des fois. Hein. Le pire, c'est la forêt de vestiges. Ah oui, la forêt, c'est abusé. Tu es 2 mètres devant toi, tout est flou. Les mecs ont pété un câble, quoi, genre. Ah ouais. Le pire, c'est très bien que c'est genre en mode, c'est une direction artistique, tu vois. Mais... Oui, oui, c'est ça. Vraiment, il n'y a aucune contrainte technique. Ouais, c'est ça. Le jeu tourne bien sans être flou. Hein. Ouais, c'est ça. Genre, et encore. C'est le wannabe Link's Awakening, tu vois, mais en mode nul, quoi, genre.
Ah dans ouais. les combats, des fois autour des dresseurs, moi j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de halo autour de leur modélisation. Je sais pas si vous avez remarqué en jouant sur la télé, Ouais. notamment sur les combats avec les personnes de la Team Black Galaxy. J'ai Ok. l'impression qu'il y avait une sorte de halo lumineux autour d'eux, j'ai pas trop compris l'intérêt. Mais. Moi, un truc que j'avais trouvé assez triste, c'est le fait d'avoir gardé des animations de combat statiques quand il y a les banderoles qui arrivent contre un champion ou un membre de Oui. l'équipe, enfin du conseil 4. Parce que ça, pour le coup, sur Épée et Bouclier, ils avaient su mettre en scène Ouais, de fou. Et les combats. là, t'as un peu une downgrade et tout. Mais on est d'accord que c'est le premier remake de Pokémon où t'as Game Freak qui s'en remet un tiers. Oui, c'est tout. Totalement. C'est le tout Ouais. premier jeu principal donné à un tiers. Du coup, c'est le cas, mais les mecs, c'est une petite équipe, hein. Les gars, ils ont fait juste la Pokébank avant. C'était que. Ah ouais? Ah, ils faisaient que du co-développement en fait. Genre, ils faisaient que du co-développement, ils ont jamais fait un jeu eux-mêmes en fait, genre 100% quoi. Du coup, ça étonne pas que le jeu il ait une petite ambition parce que l'équipe elle est petite en fait, genre. Ouais, et puis en vrai, malgré tout, je trouve que. Bah, il y a beaucoup de choses à redire du jeu, mais il y a aussi beaucoup de bonnes intentions qui se font ressentir comparé. Bah, je pense que les gars ils ont envie de bien faire honnêtement, genre en fait mais le truc je pense que bah, le problème c'est qu'ils sont trop calqués sur le jeu de base quoi. Les mecs ils ont dit Ouais, c'est ça, on fait le jeu de base, on sent absolument rien quoi. ils ont pas pris de risque, quoi. Il a fait mal de Roserade, hein. Ouais. Oui, j'attendais pas son petit bomber là. Ah, il met des patates, hein. Écosphère. Petite guérison, ça fait plaisir. Il est débile ou Sauf qu'il quoi? refera la même il refera la même chose après. J'ai refresh la page au cas où j'aurai un peu de retard parce que je sais que j'en ai un peu déjà. Vas-y, brûle-lui le Oh. cul! Ah ouais, mais du coup j'ai plus pour Aizen, mais c'est pas grave, j'ai plus pour Aizen, elle donne des sous à Tib. Aïe! Ah, le Valentine, il est dead. Il est dead, ça. N'oubliez pas de recharger la page sur le stream pour ne pas regarder le stream mais donner un max de sous en regardant les pubs. J'avoue, hein. Je vais faire des pauses pubs maintenant. Vas-y, 5 minutes de pub à chaque fois. Allez. Toutes les 15 minutes. C'est à la fin du combat. Oh la vache, incroyable! Je suis plus peut voir ça, vraiment. Même pas de bol, hein. Je sais qu'il y a eu Bon. beaucoup de Ah oui! cliffhanger avec les pubs et tout, Les mais. copains! Goom-le. C'était vraiment un combat. Ouais, Tipsy qui est pas mal contre le type poison, non? Ah oui, vraiment pas mal. Ça va être compliqué là. Enfin, pas mal. Ça a fait très mal, mais c'est pas mal. Là, il y aura combien de Pokémon là? Encore Spirito. Ouais, l'avait retiré tout à l'heure. Ouais. Ah, bâtard! Ah, putain, faut que je reste des Pokémon là. Ça va être compliqué sinon si je reste personne là. Ah, ouais, ça va être chaud de ouf. Oh le vibre obscur, oh putain le vibre obscur qui a fait là. Ah ouais, c'est chiant de ouf. Je sais pas si j'électrocute d'abord et après je rase mes potes, enfin genre est-ce que je le paralyse. Ah. J'ai testé. Hop. Non, après. Ça sera peut-être un peu de temps pour soigner les autres. Ah, c'est quoi ce game là? Ok. En plus, si tu pars, après, tu es censé refaire tout le conseil 4, non? Tu pars pour t'entraîner. Non, je sauvegarde avant. Hop. Ouais, mais du coup, tu pourras pas aller t'entraîner. Bah, c'est pas grave, je me laisserai perdre. Hein. Hop.
couilles. Kuba. Ah, yes, bien joué. Hop là, ah, c'est vrai, j'ai bien fait la paralysie, honnêtement. Ah oui. Ça lui a mis bien le seum, je pense. Bah, déjà, et puis ça permet d'avoir un davantage de vitesse non considérable quand t'es under level. Ce qui est chiant, c'est que ça va pas marcher contre Karchakrog vu qu'il a un type sol. Mais du fait que l'électricité marche pas, je crois que le type glace a un effet non négligeable. C'est bien, qu'elle continue à faire coup bas surtout. Ouais, c'est genre franchement. Ouais, parce qu'il est vraiment pas lourd. Hein. C'est bien de jouer ça, il faut que oui, un CC parce que moi je le faisais pas. Ah, le coup critique, il m'a foutu le seum. Je m'en suis sorti. Ouais, c'est vraiment. C'est bien, est-ce que il faut temporiser au max là. Ah, le petit quick, adieu. Hop. Ok. Merde, qu'est-ce qu'il ferait mal contre le Pip Spec déjà, j'ai oublié. Type spectre, il y a le type spectre lui-même, il y a le type ténèbre. Ah ouais, ok. Le type normal et combat, il est insensible. Ouais, c'est ça. Le type psy aussi, je crois. Ou alors le type psy fait des dégâts réduits. Ah putain, il est pas encore fini. Il me fait yesh. Il me fait chier de fou. Oh Guruzon, vas-y, mets ta grosseur. C'est ça, il est faible au type spectre et ténèbres, résistant à l'insecte poison et immunisé au combat normal. Ouais, non, très efficace. Non mais je pense qu'il doit, à cause du double type, il a rien du tout le bâtard. Aspire tombe, il est sûr. Ça doit être rush, un truc comme ça, je pense. Ok. Du coup là je fais attaque ténèbres, ça fait rien du tout. Ah ouais? Enfin genre ça fait pas de coup critique ou spécial ou efficace, je sais pas quoi. Putain mais il était presque mort. Putain parce qu'il a eu 2 PV là, bordel. Quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce game là, putain? Faut qu'il le fasse le chat. Il me fait chier. Y'a un truc qui m'a trop déçu en finissant le jeu. C'est vraiment pas un spoil, donc je peux en parler. Mais je m'attendais trop à avoir un 2-3 look en plus dans la boutique de mode. Putain, son seul point faible, c'est le type fée, mais tu veux que j'en fasse quoi? Moi j'en ai pas, putain. Ah oui, c'est ça, il faut éclat magique pour lui faire la. Oh vas-y, quelle merde. C'est pour ça contre lui, il faut prendre tes Pokémon qui font le plus de dégâts. Pourquoi t'as pas pris Dialga? Non, ça va, je me fous de Dialga, moi. Putain. Après Dialga de type dragon. Putain, mais je m'étais mis bien là, j'ai trop le seum. Son putain de guérison là. Ah
Vas-y, reparalyse-le là. Non, putain, d'où ça passe? Fou, ok. Compliqué. Ah. Allez. Attends, c'est infini. Ouais. Son combat il est infini quoi. Mais t'es paralysé là, arrête de faire genre tu fais des attaques là. Pourquoi cette paralysie en mousse là? Après t'es mort, après t'es mort mon gars, j'en sais rien. C'est bon, allez, casse-toi le spirit tombe. Hop. Lucario, putain, il faut déjà quoi contre lui. Oh putain, il y a encore Lucario? Ouais. Ah, Lucario, un bon déflagration, ça fait bien mal. Ouais, mais il est mort le mais Valentin a... Mais il y a plus non de p... Il est toujours à crever, lui. Il m'énerve, lui. Et il y a plus de PP sur déflagration, je crois. Ouais. Il y a le copain. Même lance-flamme, ça peut être fat. Hein. Il y a le copain. Ouais, mais il faut que je le raise. Sinon, un petit tipsy, ouais. Ouais, mais il est low life, ce con. Ah merde, j'aurais dû changer. Bah, attends, je vais soigner. Je sacrifie T-Quick, je vais soigner les autres bugs. Putain, je vais peut-être taquer en premier, le mettre une cage éclair. Non, j'ai eu qu'à taquer en premier, putain! Putain, mais ta sœur l'aura se faire. Oh, j'ai jamais vu l'attaque. Oh, elle est trop naze. Je m'attendais à ce qu'il fasse la boule. Ça pue de ouf, mec. J'ai jamais vu ça. Ah, je suis trop déçu d'Horacia. J'avais jamais vu l'attaque et là. Je suis un peu triste. Non, mais c'est toi la machination là, c'est ta sœur. Avec Kanozo. Et il fume le, fume le, fume le, fume le. Non, guérison. Putain. J'en peux plus. Elle va en mettre combien des guérisons là? Refaire une seconde fois et oui. Lumino canon, alors c'est quoi ça? Putain, pourquoi t'as pas vu ça depuis le début quoi? pourquoi elle m'a fait miroiter l'espoir que ça marche? Putain. Ah, serre à air. C'est compliqué la vie par contre là. Ah non, il va mettre trop cher. Ah le chien. Mes copains, ils puent la merde, c'est ça la vérité. On passe le reste. Je dirais. Le pauvre.
Oh, vas-y, attaque en premier. Mais non, mais tu sers à rien, mais c'est où, ça servira à rien comme ça, quoi. Il va se faire, il va se faire démointer en deux coups, en un coup, en fait, le manchot. T'as pris le look platine, du coup? Oui. Moi, ça me rendait trop triste, parce que quand je l'avais, il me disait, votre Pokémon inspecte votre look d'un regard inquiet. Ouais, je crois que je l'avais aussi, ça. Putain. Mino canon, attaque ce mot-là à la bouche! Putain, la meuf elle a pas fait 3 pendant 5 tours après pour que ça quoi! Aïe 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 aïe! Terrible! Ça sent la loose les amis! Je vais peut-être pas me déclarer forfait! C'est toi qui déclare forfait là, gros lâche! Vraiment, il reste quoi là? Il reste l'amour de nos Pokémon. Ah putain. Et du coup. Putain, vas-y, ta grosse sorcine, tiens. Hop. ça y est, c'est la fin? Ouais. Putain, le jeu qui prend 3 heures à démarrer alors que c'est le jeu le plus hideux de la console. C'est bon, tac. Merci pour l'amour dans le chat, mais là c'est la haine qui gagne. Aïe aïe aïe, c'était ma jouée, c'était ma jouée. Ah, ça coûte Spiritomb, là, il m'a foutu trop le seum en fait, sans foire. Je crois que c'est lui qui a sorti en premier, je crois. Il n'y a que T-Quick qui a réussi à faire quelque chose. Hop, sinon, est-ce que j'ai une attaque de type fée sur moi? Une attaque la magie des fées de l'amour. Putain, mais quel type de merde, quoi. Il n'y a même pas un seul CT, quoi. C'est lamentable, quoi. Mais non, parce que le type fée n'existait pas encore, donc ça se trouve, il n'y avait pas de CT dans le jeu. Bah, si ils ont mis les mêmes CT. Bah, quand t'es intelligent, t'en rajoutes quoi, bordel. Si, si, moi j'avais que la magie en CT, ils ont rajouté le type fée dans la 4G, et c'est notamment remarquable avec des Pokémon genre. Oui, non, mais il y a des Pokémon type fée, ouais, mais juste. Les mecs ils ont dû foutre une CT à récupérer dans le jeu quoi. Mm. Ouf, allez, on est reparti. Y'a pas de raison. Y'a pas de raison qu'on la perde. Ah, bien joué, T-Quake. Allez, t'es quoi que tu carry, hein. T'as toujours carry jusqu'à présent. Allez. Je me souviens pas que j'avais autant galéré, moi. Mais peut-être que c'est galère, je me souviens plus. Pourtant, c'est vrai que c'est considéré comme la championne la plus difficile. Je vais se la péter, lui. Hein. Non, non, mais c'est pas ça, c'est que c'est... Mais moi, je pense que j'avais utilisé le légendaire, c'est pour ça, moi, je pense. Je pense que j'avais dû envoyer Palkia en attaque. Perso, je sais que j'avais pas trouvé ça tant galère que ça. Mais quand je suis arrivé à Cynthia, j'ai vraiment bataillé. Et j'ai pris conscience du fait que j'étais obligé de recommencer le conseil 4 pour XP. Et ce que j'avais fait, c'est que... à défaut d'avoir un Pokémon qui a un item plutôt acceptable, j'avais donné l'œuf chance comme là Tsubi l'a fait. Ah, moi je crois que j'utilise. Moi j'utilise... généralement j'utilise des arbres rappel, donc en fait ça aussi ça aide plus facilement. Pour en foutre de l'amitié à les Pokémon. Bah,
L'amitié, c'est quand même pas mal parce que sur des moments où t'as de la chance. Oui. Oui, j'ai vu, ouais. J'ai... T'as une compétence qui est même supérieure à ténacité. Puisque ténacité est actif seulement quand Pokémon est full life et qu'il se fait one shot. Alors que là, sur des coups un peu random, tu peux réussir à tenir un PV. T'as suivi le voir contre. Ah ouais, ça fait mal le contre-coup. Ça, je l'attendais pas. Ah ouais. Oui. Je crois que plus tu fais de dégâts, plus ça te fait mal. Manchot qui arrive, puis le candy crève. Je crois qu'il va faire une guérison de merde juste après. Je trouve le seum. Il y a un risotto sauvage qui m'est apparu sur mes jambes là. Ça va quoi, Manchot? C'est le deuxième try, on a perdu tout à l'heure. Mais si tu veux, dans ta tête, tu peux dire que c'est le premier try. Eh voilà, une guérison. Putain. Mais ouais, Mancho, de toute façon, ce qu'il a dit, type, c'est que du fake là. En vrai, c'est vraiment le premier try, il est trop fort. J'avoue. Tous ceux qui ont pas vu le premier, il existe pas. De toute façon, ici, on est entre PGM ici, de toute façon. Bah ouais. Ici, on prend pas de douche, quoi. Exactement. Jean Valentin, il prend des douches. Ah la honte. Ah la honte. Genre, il sent bon, genre. Ah, ça dégoûte. Je vais être malade. Je suis un peu gêné quoi, vraiment. Moi je pensais qu'on était entre vrais gamers ici. En vrai, le Tritosaur, il y a moins de tempo avec lui. Hop. Ouais, c'est cool aussi. Tritosaur, il fait pas tant de dégâts que ça, il a surtout beaucoup de défense. Mais le type plante est quand même hyper cool contre lui. T'inquiète pas, Manchot, je te ressuscite parce qu'après, contre Karchakro, on aura peut-être besoin de toi. C'est bon, tu es redevenu full vie. Tombe rush. Tu vas faire quoi avec tombe rush? Tu vas rien faire, t'es nul. Est-ce qu'ils sont tous full life là? Ouais, c'est bon, ok. Vas-y, mange sa vie, absorbe son âme. Nom. Il y a Risotto qui est en train de s'endormir dans mes bras. Oh, c'est trop beau. Malax, il t'a pleuré. Il finit d'être beautiful. Allez, niveau 60, le Shad. Milo Belouche. Allez, on peut le faire. Fatal Foudre, c'est très très cool contre Milobelus. Milobelus. Ah, je l'ai pas parce que il a un gros taux de fail quand même, Fatal Foudre. Ouais, franchement, c'est pas trop mauvais. Hein. Hop. On va faire un petit tonnerre en vrai. Quel plaisir. La paralysie. Hop. Alors j'ai peur qu'il ait fait une guérison, donc je vais en profiter pour me soigner. Moi, après. C'est que mon avis, mais je sais pas si c'est un talent ou une cinquième attaque que le Karchakrok il a dans son moveset, ou alors c'est un talent caché et tout que tu vois pas dans le jeu. Mais ce talent ou cette attaque ça s'appelle paralysie du sommeil. Et dès que tu essayes de dormir et que tu arrives pas à dormir, que tu veux faire des cauchemars, bah tu vois le Karchakrok de Cynthia qui apparaît. La creepypasta.
C'est ça. Ouais, Tico est fini là. Pour l'instant, ça se passe mieux que tout à l'heure. Là, tout le monde est full vie. Hop. Moi, je vois l'eau pour l'instant. Ozora 2. Je crois que c'était pas le galopade tout à l'heure qu'on allait débattre. Je crois que c'en est un. Je sais plus c'était quoi. Feu, glace, psy. Peut-être envoyer copain alors. Là c'était ça. Hop. Vas-y copain, montre que tu pues pas la merde, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Montre que t'es un Dalakadam solide, je t'en supplie. Allez, t'as pas mal! T'as pas mal! Bien joué. T'as pas mal, Rocky! Ok. Putain, Spiriton, c'est vrai qu'il était pas encore mort, lui. Vas-y, t'es quick. De finir ton travail. Oh, bien joué, T-Quick. Le coup critique, là, mon gars, t'as géré. Je t'envoie de l'amour. Hein. Hop. Bon, allez, Valentin, tu gères, là. C'est ton heure de gloire, mec. Et Valentin, tu fais le café, là. Allez, t'as pas mal! T'as pas mal! Allez! Oh, en plus, il est brûlé, génial! Il se soigne viteuf. Ah, je me doutais qu'il allait faire la guérison. Mais j'avais tout prévu! Allez, t'as pas mal. C'est bien. Putain. Putain, il faut encore guérir. Oh là, c'est infini cette histoire. À se faire. Putain, il tient mieux, j'ai l'impression en plus. C'est quoi ce sticker Lucario là? Faut pas encore jouer Lucario là. Faut encourager Galopa là. Oh, on est où? Draco choc? Rusty choc? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, c'est... Ok, putain, non, c'est la loose là. Ah, mais il attaque trop vite, il m'énerve.
Vas-y, fume-le. Non, 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 tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Le séisme de chat, ça peut se faire, ouais, mais... Ouh, bien joué, Canadou. Ok, c'est cool. Bon, mais il reste plus là, que le... changer parce le que ça reset... C'est bizarre ça. Le tout se joue maintenant. Notre carte maîtresse. C'est décisif. Cela faisait une éternité que je ne m'étais pas retrouvé en aussi mauvaise posture. T'as bien joué là sur le coup quand même. Ah, le combat de Kaiju là. Qu'est-ce qu'on tente? Est-ce qu'on tente directement Blizzard? En même temps, ça peut vite se faire foirer Blizzard. Ou Laser Glass. À Blizzard, ça peut être pas mal, je pense. Faut juste pas que ça se foire, quoi. Mm. Non, Slam. Ok, il augmente ses dégâts. Ouais. Ouais. Hop, bien joué. Il grêle donc oui, ah ouais. Allez, on va retenter le bizarre, on est greedy. Ah, le direct toxique, il peut faire mal ça par contre. Ah, ça fait très très mal. Merde. Ah ouais, il fait des gros dégâts. Qu'est-ce que je peux faire là? J'essaie de le paralyser tant que je peux. Hop. Non, tu peux pas. Ah ouais? Ah merde. Bah, ah oui, il est type sol, je suis con. C'est vrai. Ah! Attends, bon bah, dans ce cas, je vais en profiter pour soigner quelqu'un d'autre, du coup. Hop. Dis donc, ce dragon retourne à l'air glaciaire, je suis bien d'accord. Ah! Oh, oh, bien joué, T-Quick! Oh là là. C'est évident que ça allait le one-shot, il aurait su esquiver, quoi. Ça, c'est beau. Non! Mais putain, mais ça misclic, abruti! Abruti de jeu! Ah, en plus, ça m'a niqué un tour, genre, ça a vraiment pas fait. Non, on peut pas faire ça, non? Ça m'a. Oh bah non, tu peux te rappeler sur un Pokémon vivant. Putain! J'appuie trop vite comme un con. Bon, donc, T-Quick qui régale encore une fois. Ah, par contre, là, la chance ne peut pas durer tout le temps. Aïe! Putain, ouais, c'est chiant, j'aurais pu le soigner deux fois, le... Le bizarre, ouais. Mon copain, je t'envoie aussi à la mort, désolé. Hop. C'est vraiment le... C'est vraiment le tournée du pouvoir, là. Ah là là, il est difficile le halo quand même. Putain, je galère. Parce que t'es nul. Non, en vrai, il est dur le jeu. Hop. Et je me suis mis en normal, mais ouais, il est chaud. Ah, le direct toxique, ça fait mal. Eh merde. Non, je peux pas compter là-dessus.
Oh guérison, vas-y, va chier, sérieux. Oh, la guérison, mais va chier. Le problème, Tickwick, c'est que la grêle, ça dure que 5 tours après que le Pokémon a envoyé l'invoque. Oh, putain, il va une... ah, par contre, là, ça m'a saoulé, par contre, là, le... ce coup-là, là, ça, j'ai pas aimé. Là, ça m'a pas plu, là. Aïe, 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 point 1%. Oh, aïe, aïe. Là, ça ne vous plaît pas. Là, ça vous dérange. Là, ce n'est pas bon. Ah, le coup critique. Bravo, Kanojo. Apprends, tu vas mourir à cause de la grêle, je suis bête. Aïe. C'est blessé, attaquant. Adieu, Kanojo. Oh putain, il me reste plus que le Shad. Ah. Bah, en vrai, sur une attaque plante, ça passe. Hein. Dans le dos, tu penses? Bah, seule plante, c'est sûr, c'est efficace. Ouais, c'est vrai. Enfin, non, c'est pas super efficace, c'est juste normal, quoi. T'es sûr? Si, sur la fiche du Karchakra, ça coûte du double type, ça doit annuler, je pense. Mmh. Je sais pas, le type dragon, il est pas inefficace au type plante. Oh putain, vas-y! Oui, le Shad! Non! Mais genre, il est pas encore mort! Salut le gros bébou. Oh la tempête de glace. Ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. Oh oui mais ça le fait. Dans le doute, dans le doute ça le fait. Oh le manchot, l'esprit de manchot qui va prendre sa revanche. Vas-y crève, vas-y crève. Crève. Non la grêle s'arrête. Non pas maintenant. Pas après tout ce que t'as fait. T'inquiète là, s'il refait Draco Griffe, tu passes une attaque sans souci. T'es sûr? Ah ouais. Oh, j'ai trop peur mon gars, j'ai tellement peur, je flippe ma race. Je fais quoi? Giga sensu. C'est le coup critique, mais franchement c'est le beau jeu. Putain. Parce que là elle peut encore utiliser une guérison, ça se trouve. Allez, tue-le. Ouais. Let's go. Je suis trop content de t'avoir donné ce conseil. Ah, oh, mais je me suis fait démolir. Et toi, ah là, là, ça s'est joué à 28 PV, quoi. Pouah, la vache. Félicitations, mec. Maître de la ligue et mérité. Ah, c'est tellement passé au poil de slip, quoi. Pouah, merci tout le monde pour cette grande aventure humaine. Il y a quelques minutes, tu n'étais encore qu'une race redoutable, venue me défier. Mais à présent, tu es digne du titre de maître. GG. Putain, merci le Shad. Ça, c'est beau. C'est notre starter qui a réussi à l'avoir. Quoi. Tout beau. Ok, d'accord. Il nous dit... Bonsoir, ok, d'accord. Encore une belle victoire de la trousse à pharmacie. Je suis bien d'accord. Oui, mais bon, Cynthia aura fait la même, donc finalement, c'était œil pour œil, dent pour dent. Merci tout le monde. C'était incroyable, quel combat exceptionnel. Tu as mené tes Pokémon à la victoire en leur donnant des instructions de façon réfléchie. Ouais, réfléchis tout le temps, hein, jamais dans le doute. Mais aussi en les encourageant à exploiter tout leur potentiel. C'est à la fois ton ardeur et ton calme qui vont permis de gagner. On sent que vous êtes capable de relever tous les défis. Après un tel combat, je suis fier de couronner maître de Sinnoh. Prends l'ascenseur, je te rejoins. Hop.
Aïe, 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 aïe. Ça mérite des petits follow pour ceux qui sont pas encore follow, moi je veux dire. Hop. Aïe. Au bout de sa couleur se trouve le Panthéon. Oh, il y a Qui-Gon Jinn. C'est pas une blague. C'est là les potes. Ah, bisous Chaos. Bonne fin de soirée. Bisous. Stream. Bisous risotto. Ça sera passé, il est juste à côté de moi. C'est pas une blague. Dans les combats, était grandiose. Oh, bonjour, professeur Sorbien. Eh bien, dire qu'un enfant à qui j'ai demandé de l'aide pour le Pokédex est parvenu jusqu'ici. Je ne manquerai son heure de gloire pour rien au monde. C'est pas une lettre, tu as tellement mûri. Tu es devenue une dresseuse Jedi puissante, indépendante et sur qui l'on peut compter. Professeur, vous aimez toujours autant voir l'évolution des jeunes dresseurs, n'est-ce pas? C'est pas une lettre, 6 mois, s'il te plaît. Professeur Sorbien, je voudrais que vous veniez également. La hype. La dernière fois que je suis venu ici remonte à bien longtemps. Si vous voulez parler, si vous parlez de mon entrée au Panthéon, en effet, c'était une éternité. Quoi qu'il en soit, bienvenue au Panthéon des dresseurs, Spaynette. Ton nom et celui de tes Pokémon seront inscrits ici à jamais. Le souvenir de vos aventures y resteront gravés. Rappelle-toi que tes Pokémon sont tes partenaires et qu'ils grandissent avec toi. Et à travers toutes les épreuves. Juste une grosse crêpe pour nous. Oh, merci le bébou qui s'abonne, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Un tortank solide. Merci beaucoup, c'est gentil. Cette machine va illustrer vos prouesses pour une éternité. Tu t'es battu la ligue, mais connais-tu voir FPM, n'importe quoi. Tikuik. Ah là là, il nous aura bien carry, hein. Valentin aussi, hein. Beaucoup de carry. Kanozo, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, le Shad, mais que dire, le Shad, le Shad. Copain aussi, à qui j'aurais donné autant de haine que d'amour, mais on l'aime quand même. Et Manchot, le petit dernier, qui nous a rejoint. La Ligue à un nouveau maître, félicitations. Pouah, aïe, 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 aïe. 33 heures ce jeu, bordel. Aïe, 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 aïe. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Que des vrais gamers, quoi. La classe, la classe. Pokémon diamant étincelant. Ah bah oui, c'est ce crédit, c'est trop stylé, là. Pokémon, Brian Diamond, Steph. Yuichi Ueda, en directeur, bien sûr, le fameux. C'était sportif, effectivement, vraiment. Bien sûr, Yuichi Masuda, bien sûr. Aïe, 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 aïe. Takeo Mizutani, Shinya Suda, Smart Point, Planning Junitan Ugichi, Graphic Design. Putain, ils étaient tellement pas beaucoup sur le jeu, quoi. Vous vous rendez compte à quel point l'équipe était petite, quoi, alors vraiment. Aïe, aïe. C'était sportif, hein. Pouf. Bon, bah, que dire. Bah, tout a déjà été dit, hein. Le jeu, ça reste sympathique, honnêtement. Parce que c'est Pokémon, c'est cool. Mais c'est vrai que, bon, je pense qu'on aurait aimé un remake un peu plus ambitieux. Mais après, quand tu vois la taille de l'équipe, tu peux difficilement vouloir un développeur, quoi. Je peux plus s'en vouloir à Pokémon Company d'avoir un petit peu donné
un jeu ultra attendu à une équipe qui en a peut-être pas forcément les bras, quoi. Voilà. Mais bon, voilà, ça reste l'amour, ça reste l'aventure. Et on fera du post-game, peut-être pas tout de suite, mais un de ces quatre. Très prochainement, je pense qu'on fera les rires. Le mec meurt que l'original. Ah, non, je pense pas en vrai. Je pense que l'original reste meilleur parce que il y avait le côté la DS, il y avait le côté émerveillement. T'avais la Pokémon, t'es le terrain bas, c'était quand même la plus pratique. Je trouve le jeu plus joli aussi. Je trouve le pixel art bien mieux maîtrisé que cette 3D un petit peu bancale. Je vais pas vous mentir. Donc à défaut, je préfère le jeu de base quand même. Bah, très bien. Ils ont fait un petit effort sur le générique. Ouais, si, le générique en vrai. Et on a quand même mis 2h30 à la faire, putain. Putain, nous disons 1h30, c'est plié. Tu parles. Ça veut Smash Bros ou ça veut Mario Kart après? Oh, ni l'un ni l'autre. Bravo Valentin. Tu peux me dire ce que tu fais là? Allez, joue. Hop. Ouais, les esprits. Les petits esprits. On ira gentiment capturer. Pour les enfermer dans des boules. Hop, le rat à la maison. Ah, il y a la tenue débloquée la boutique. Ok, stylé. Fin. Ça picote un peu, hein? Hop.